Salut viewers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur Alien Trilogy et on va enchaîner sur un niveau. Oh, je suis bête. Oui, c'est chiant. Retour Windows, ça va pas m'aider. Voilà, là ça marche. Bref, on se retrouve maintenant dans le niveau le plus, enfin, pour moi, qui m'a plus gonflé. Si vous avez jamais fait Alien Trilogy et vous n'avez pas eu ce let's play, enfin, vous n'avez pas vu le niveau en question qu'on va faire. Vous êtes complètement paumé, hein. Je crois que c'est le niveau que j'ai le plus recommencé. Vous allez comprendre pourquoi, hein. Il faut comprendre le mécanisme du jeu. Allez, c'est parti, il y a déjà plein de gardes. Allez, c'est parti. Voilà, ensuite. Voilà, lui c'est fait. Il allait faire le tour. On a un là. Voilà. Je crois qu'on a encore d'autres. On a même qui sont en dessous, je crois. Voilà, ce que vous voyez, ça, c'est de l'acide. Hein. Vous mettez le pied dedans, vous perdez 10% de bon d'armure et ainsi après, c'est de la vie hein, qui part. Allez. Donc là, on va faire le nettoyage ici. On va bien viser. Alors, ce que vous voyez sur le radar qui bouge autour de moi, c'est les facehuggers. Il y en a des tas là-dedans. Ah, il m'a touché. Zut, bon, tant pis. On va redresser ça, des interrupteurs, donc redresse donc des plateformes. Donc là, ça redressait la plateforme où il y avait le cadavre. Voilà. Donc là, ça permettait de passer, qui nous donne donc accès à la fin du niveau. Mais vous allez comprendre pourquoi ce jeu. Ce niveau est assez compliqué. Donc là c'est un petit passage, normalement. Vous allez comprendre. Après, voilà, je me suis débarrassé de lui. Ah non, il m'a touché! En bref, vous voyez, il y a même des interrupteurs en dessous de l'acide, quoi. Donc là, voilà, donc ça active la passerelle. Ah, il y en a un qui nous attendait bien gentiment. Ils font pas de bruit, les facehuggers dans ce niveau. Donc voilà. Mais en cas si vous tombez et vous n'avez pas d'armure, en dessous il y a une armure, hein, donc 200. Et une fois que vous collez donc le mur de la passerelle, eh bien, elle redescend automatiquement et après elle remonte. Hein, si, bon, c'est un peu compliqué quoi, parce que des fois ça nous troll comme l'ascenseur dans la première partie du jeu. Donc là on va continuer à faire. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié cela. Alors, il y a quelques secrets que, bien sûr, je ne connais pas. Et ce jeu me prend bien trop la tête. Ce niveau me prend bien plus la tête pour trouver tous les secrets. Croyez-moi, on va finir le jeu avec assez de munitions. Ça, j'en suis sûr. Voilà. Ah, c'était donc lui. Des fois, il y a des bugs. Si vous voyez un mec qui marche sur de l'acide, c'est en fait celui que je viens de tuer à l'instant. Oh, j'ai réussi à le ramasser, trop cool. Donc voilà. Donc là, cet interrupteur-là a donc qui nous permet de passer. Donc, ah, c'est ici que les facehuggers après peuvent vous monter, vous voir. Là, y a... Oula. Ah! On les entend même pas. Bon, après, il y en a qui sont condamnés. Non, cette passerelle se relève. Vous voyez, on voit une petite. Je sais pas si vous remarquez assez bien là. Le petit rectangle où il y a de l'acide ou qui est assez différent du reste en bas. Mais si vous arrivez à ce niveau, eh bien, la passerelle redescendra et elle remontera. Voilà, pour pas que vous soyez coincé. Donc là, vous êtes en direction donc de fin de niveau. Il ne faut absolument pas aller là dès le début là. Parce qu'après, vous ne pouvez plus revenir. Vous n'avez pas d'autre choix que d'aller en fin de niveau. Donc c'est un peu la merde, voilà. On peut dire ça comme ça. Donc voilà, je vais me présenter là-dessus. J'ai quand même assez révisé sur ce niveau pour savoir comment le finir. Alors, il faut retrouver l'endroit où il y a donc l'interrupteur. C'est-à-dire ici. Vous allez tomber exactement dans le recoin. Qui donc vous allez atterrir donc sur des bottes qui vous protégera donc de l'acide. Et vous allez donc suivre un chemin prédéfini. J'espère. Là encore un moyen de précaution parce que je l'avais fait qu'une seule fois, mais je crois me rappeler du chemin qu'on va prendre. On va faire une safe state, voilà. C'est très important.
J'ai dû oh, je crois pas que je sois mort. Juste recommencer la mission parce qu'il y a un moyen que vous. Si vous êtes dans l'acide, il y a toujours des chemins qui montent pour que vous reveniez à la surface. Allez, c'est parti, on a les bottes, on y va. Allez, on active. Donc là, vous vous grouillez, le sprint est très important. Donc là, par là, par là, et voilà. Comme vous pouvez le voir, après, ça remonte. Donc on vous laisse pas trop le temps. Donc c'est la zone où vous devez impérativement aller parce que la mission est donc. Est-ce que je vous ai lu? Ah non, je vous ai même pas lu la mission. Enfin, voilà. Lors d'une précédente tentative de grand conquérir cette partie du vaisseau, plusieurs aliens se sont échappés. Trouvez leur repère et détruisez tous les aliens que vous rencontrerez. Donc, si vous étiez allé donc au chemin qui mène à la fin du niveau, avec le peu d'aliens que vous avez tués, ça vous recommencera automatiquement le niveau vu que vous n'avez pas tué tous les aliens. Vous n'êtes même pas dans la zone rouge du pourcentage. Donc, bref, voilà. Donc cette tache verte qu'on voit là, c'est de l'acide, donc essayez de les esquiver un maximum. Là je viens de perdre. Bon évidemment ils sont un peu cons. Ah non. Les rouges sont plus faciles à voir que les noirs. Allez, on en a encore. Ceux qui savent, s'il y a une mare de d'acide, les seuls items qu'il peut avoir de caché à l'intérieur, ce sont des grenades pour le puce rifle. Oui. Non, je me suis rendu compte que je m'étais gouré sur le nom. Les M40, en fait, c'est les grenades pour le puce rifle. Voilà. Allez, on s'en occupe. Voilà. Il y avait quoi là-bas? Un chargeur. On verra bien. Là, il y en a encore des tas des aliens. Tous les rouges. Voilà. On a du mal. Oh non, je crois pas qu'on puisse les voir vraiment, les items. Si, là, on voit un chargeur de 9 mm. Bon, pour le moment, ça va. Là, il y a un long couloir. Il y en a plein là. S'y mettre des munitions. Oh, quoique, il y aura des bottes hein, quelque part, donc vous aurez de quoi chercher les items qui sont sur l'acide. Vous non, vous en faites pas. Donc là, on va s'occuper de lui. Voilà. On va pas repasser. Ah, bah là, on vient de. Là, on. Donc là, je reconnais à peu près. Ah. Voilà, là j'ai mitraillé le bouton. Là. Donc là, on va essayer d'économiser quand même l'armure, hein, c'est très important. Alors ici, il y a encore des vagues d'ennemis. Ah non, ce sont donc les deux aliens qui sont venus tout à l'heure. Donc là, c'est la fin. Donc n'allez pas par là, pas tout de suite. Là, on remarque un item, on sait pas exactement ce que c'est. En général, c'est juste des. Eh merde, là je viens de perdre 10 là. Ah bah voilà les bottes, mais là je vous conseille de faire ça à la fin, vu que vous avez 30 secondes. Une fois que vous avez les bottes en. Ouais. Oula, ça va être juste là. Voilà, alors on est un peu juste maintenant. Ah, c'est quoi? Des soins, ils te mettent des soins dans l'acide, vraiment très agile. Donc on va un peu récupérer. Voilà, de quoi tuer au moins un alien ou deux. Voilà, petite esquive. Voilà. Utiliser au maximum. Donc, ah là, c'était quoi ce bruit? Ah, je crois que si on active cet interrupteur, on va en avoir un paquet. Ah ouais. Oui, on le voit très bien là. C'est un mécanisme. On va faire ça plus tard. Là, c'est un long couloir. Ah, bah, je préfère y aller en dernier parce qu'il y a de l'acide et je préfère garder mon armure. Mais là, je crains le pire. Bon, allez, c'est parti.
Voilà. Pistolet à soin, évidemment, je crois qu'on en a toujours. Vous en rencontrez assez souvent, mais moi je suis à plus de 300, donc ça m'aide. Voilà. Bon, ça remonte comment? Tout seul, ça remonte tout seul, d'accord. Donc, les bottes, non, elles étaient pas ici. Où étaient les bottes? Oh, c'était après. Ah voilà, on voit un peu à travers l'acide qu'il y a bien des lance-grenades. Moi, je dis pas de conneries. Bon, allez, on est prêt. Allez, c'est parti. Donc là. Voilà, ici. Ici aussi. Ah, il y a aussi des munitions pour le shotgun. Donc là, rien d'important. Donc là, c'est le début. On va essayer de se grouiller. Voilà, lance-grenade. Non, rien. Shotgun, on en profite. Là, lance-grenade. Oh salaud, il me bloquait, je me suis fait avoir. C'est quoi? Une armure à quoi ça? Oh, c'est une armure à 100. Pour ceux qui reconnaissent cette armure, c'est l'armure que. Attends, c'est l'armure de qui? De Hudson, voilà. Hudson porte. On voit le logo de la tête de mort, c'est celui de Hudson, celui-là. Qui est cité aussi dans la cinématique du début. Donc là, je crois qu'on est à la fin. Oui. Donc là, c'est. On va pas s'éterniser sur ce niveau. Alors là, il y a du grand nettoyage, il y en a beaucoup des aliens là-dedans. Je crois 3 ou 4. Ouais. Mais si ceux qui sont sur le plafond, qui sont donc inoffensifs, m'empêchent de reculer, alors là. Ah, dès que je tire, ils s'en vont. Aïe aïe aïe, ça c'était pas gagné. Voilà, moi tu m'embêteras plus, pour être poli. Bon, j'ai raté mon coup de lance-grenade, c'est pas cool. Bon, tant pis, on va marcher un peu sur de l'acide. Ah non, ça c'est pas fait, bah, heureusement d'ailleurs. Donc là. Donc la petite sortie que je vous ai montrée, bon, c'était pas besoin d'arriver. On était donc là, on a fait le tour, évidemment, on a fait le ménage. Donc voilà, là il y a encore des petites traces d'acide. Bon, je sais pas ce qu'il y a, mais ça m'a l'air pas très important. De la vie, évidemment, inutile. Bon, il doit y avoir au moins un ou deux facehuggers encore. Bon, la sortie est là. Non? Ah, voilà, ils apparaissent de nulle part, c'est ça que j'adore. Donc voilà, regardez le pourcentage qui va être très peu élevé, mais qui sera suffisant pour passer. Voilà. Voilà. En général, si vous qui connaissez pas trop le niveau, ben, vous serez tout le temps dans le rouge. Alien, secret 0, évidemment, puisque vous ne découvrez pas de secret. Il semble avoir repéré un autre secret, mais pour y aller, je sais pas. Je sais pas, j'ai pas envie de tenter de choses inutiles, mais bon, la mission était d'exterminer la plupart des aliens, ce qu'on a fait. Donc voilà. Donc ce sera la mission la plus chiante parce qu'il fallait un peu réfléchir, savoir comment continuer à aller dans des endroits du complexe là pour tuer les aliens. Là, on va encore aller dans. Je sais même plus comment ça s'appelle. La partie centrale du vaisseau, comme il est dit dans la mission. Bien joué, vous avez atteint une nouvelle section centrale du vaisseau, ce que je disais, et va vers un autre sas. Ne perdez pas de temps, il y a d'autres zones à sécuriser et le temps joue contre nous. Évidemment, vu que dans la cinématique avant qu'on rentre dans le bloc carcéral, on a dit que la planète va exploser. Donc là, je sais pas qu'est-ce que j'utilise là, parce que là, il y a des aliens. Est-ce que. Attends. C'est les aliens. Ah oui, les rampants. Donc on va utiliser le. Le puce rifle. J'aime pas ce genre de niveau parce qu'après t'as 500 aliens qui arrivent de nulle part. Voilà. On continue.
crois qu'à mon avis, vous avez un peu deviné le délire donc de... Oh là, bah oui, j'ai pris la vie et lui il apparaît comme par magie. Voilà. Donc la zone centrale du vaisseau, ça se résume à ça. Chaque fois que vous visitez une partie du vaisseau, pour faire le nettoyage aussi, eh bien, vous ouvrez de nouveaux accès et une fois que vous aurez tout fait, eh bien, vous pourrez accéder à la partie centrale qui est là. Mais on n'y est pas encore. Là, on en a une. Ok, ça n'a rien fait du tout. Voilà. Sans munitions, on va être bon jusqu'à la fin, donc je peux encore visiter et exterminer ce qui reste. Voilà. Oh, j'aime pas quand ils aillent. Quand les aliens arrivent. Ah, il y en avait derrière! Quand je te dis que ça spawn de nulle part. Voilà. C'est pas les derniers, je vous rassure. Voilà. Alors ça, je sais pas pourquoi ils nous mettent ça, puisque après ça s'annule. Ah, peut-être parce qu'il y aura tellement de cadavres que... Voilà. C'est sûrement pour ça. Je suis assez économe sur niveau munitions, mais quand je me suis entraîné, ben, j'en avais encore un paquet de munitions. Allez, venez là. C'est marrant, dans cette partie d'Alien, du premier Alien, donc, ben, certains aliens font pas de bruit, comme les facehuggers de niveau précédent. Voilà, si on regarde bien la carte, ben, on a tout visité, donc on peut y aller. Oui, je sais, il y en a d'autres derrière moi, mais il n'y a pas de pourcentage d'aliens tués une fois qu'on finit le niveau. C'est là où il y a de la lumière, donc que c'est la sortie. Voilà, on peut le reconnaître à ça. Allez, on peut continuer. Alors, à partir de maintenant, les niveaux, je crois que c'est les niveaux les plus durs qu'il y a. Parce que là, maintenant, alors qu'il est. Les aliens que vous allez le plus rencontrer, ce sont les xénomorphes adultes. Ben, les classiques, hein, les noirs, ceux qu'on a rencontrés en début de niveau. Ben, ça me fait tirer tout le temps, ça m'énerve. Ah, en plus, il y a des androïdes. Je m'occupe d'abord de lui. Attends, voilà, je me fais pas chier. Voilà, on va regarder la mission. Alors, la précédente équipe d'intervention a été capturée puis contaminée. Retrouver ses membres et tuer-les tous avant qu'ils ne donnent naissance à d'autres aliens. Ramasser leur carte d'identification afin de prouver qu'ils ont bien été éliminés. Voilà. Donc évidemment, voilà. Le gun ne sert maintenant qu'à ça. Alors là, je vous dis, faites gaffe. Alors là, je crois que c'est la zone là où il y a. On va traverser le mur. Là, c'est le niveau type par excellence. Oh, du gros gaspillage. Là, c'est du bien joué. Là, deux en un. Là. Alors là. Non, ça va. D'ailleurs, voilà, ils vous ont manqué, et ben les voilà. Ah, ça m'énerve quand ils vont de droite à gauche là. Croyez-moi, ils vont bien vous embêter. Je crois que cette fois-ci là, sortez le smart gun là. Là, c'est obligé là. Vous y êtes obligé. Déjà. Si vous connaissez comment est foutu l'arme, le smart gun, on l'appelle donc l'arme intelligente parce que les balles sont guidées. Hein, voilà. Je l'avais dit quand je l'avais récupéré. Là, ça le montre par excellence. Alors déjà plein de cadavres, quoi. Comment tu veux passer sans te faire avoir par l'acide? Oula. Voilà, le smart gun en fait vous l'avez réservé pour ces moments-là parce que là
Regardez déjà tous les aliens qu'on a massacrés ici, quoi. Et encore, ce n'est que de le début, hein. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises, là. Évidemment, c'est l'arme la plus puissante. Mais des munitions, vous en faites pas, vous en allez en avoir. Donc, la carte, voilà, la carte peut vous aider. Là, donc là, il n'y a rien d'autre à part... Ah bah une armure, voilà, munitions de... Oh, bon, on était pas au max, c'est toujours mieux que rien. Quoi, ça s'arrête là? La carte, oui, ça s'arrête là, pour le moment. Là, votre armure, je crois que c'est votre meilleur ami dans ce niveau, vous allez comprendre pourquoi. Bon, on va faire celui du shotgun. Attention les fesses. J'ai résisté sans faire de safe tate. Mais voilà, on sait jamais. Je suis toujours prudent. J'adore, des fois il y a des murs invisibles. Voilà. Oui. Ouais, t'es sympa, tu me redescends. Merci. Alors là, j'aime pas quand ça monte. Et voilà. Le smart gun, c'est la meilleure chose qu'il pouvait avoir. Ils sont où là? Je crois que c'est un des niveaux les plus difficiles. Ah, bien. Ah, oh putain, si là je peux pas remonter. Alors là, je pars tout droit dans un piège ici. Donc là, un peu de vie, autant en avoir un max. L'entraînement, l'armure, j'en avais plus. Hein. Eh ben non. On est obligé de tomber dans le piège à con, quoi, comme on pourrait dire. Vous allez comprendre pourquoi. Je suis déjà au max, j'ai tellement ramassé de trucs. Allez, admirez. Attends, vous pouvez tout arrêter en reculant. Voilà, même en sprintant, c'est trop dur de... Il y a déjà 3 qui nous attend. Oh, les charges, vous en avez un paquet, donc utilisez-les. Faut les utiliser au maximum possible maintenant dans ces niveaux-là. Oh, c'est pas vrai. Heureusement que les balles sont guidées. Hein. Dans le film aussi, c'était bien dit. Voilà, avec tout ce qu'on a exterminé, si vous étiez descendu sans précaution, vous étiez un peu dans la merde. Ah, tout ce que vous voyez qui ne bouge pas, c'est donc ceux qui ont été contaminés et gardés. Voilà. On pourra faire le nettoyage. Ah, je l'avais vu qu'il était là. Vous voyez? De toute façon, il y a une armure à 200 normalement quelque part dans le niveau, ça je m'en rappelle bien. On va les buter, ceux-là. Ah, c'est la mission, hein, parce que j'ai pas envie de la recommencer. Regardez, il y en a toujours un paquet là. C'est le niveau que je déteste le plus par excellence parce qu'il y en a beaucoup. Et on n'a pas fini de fouiller, croyez-moi. Ouais. Je trouve pas ça logique. Il détecte donc
Ceux qui ont été contaminés alors qu'ils bougent pas, alors que les aliens, tant qu'ils bougent pas, ils sont pas détectés. Je trouve ça un peu du nul. Nul, ouais, c'est ça. Bon, c'est bon. Donc, je regarde bien la carte. Ah, il y a un petit passage. Ah oui, j'avais déjà fouillé ici. Évidemment, il n'y a pas de carte. Ça, je crois que ça nous remonte. Oui, on revoit. Des fois, il y a une trappe qui vous donne accès en dessous directement. C'est par là où je suis allé la première fois. Ah, la zone centrale. Il en reste 3 à découvrir. Encore une armure à 100, évidemment. Mais on est encore à 111, donc tout va bien. Ah, hein. Pistolet à soin. Ah bah maintenant j'en ai besoin. Maintenant, plus rifle, pas très efficace hein, dans ce genre de choses. Voilà. Pistolet à soin, on est à 344. Tout va bien. Tiens, on est gentil, là on t'extermine. Voilà. Il ne devrait plus rien rester, mais tant pis. Voilà, on est sorti. Ah non, il y a encore quelques petits secrets. Voilà, la carte la représente, même si on peut pas récupérer de carte. Ah bah voilà, c'est exactement ce que je cherchais. Ah, je l'ai tué? J'ai pas fait gaffe. Peut-être que c'est en bombardant tout le monde que ça a traversé le mur et puis voilà. Là, il reste encore un petit endroit. Oui, je vois exactement où c'est. C'est ici? Ah, quand on voit une zone vide. Peut-être de l'autre côté. Comment ça, j'ai dû le louper quelque part. Ou à moins qu'il soit de l'autre côté, ce qui est possible. Bon, on va sortir de là. On va d'abord voir où ça débouchait tout ça. Vous savez, si je squatte vraiment, là, c'est un vrai labyrinthe, ce truc. Voilà, ça débouchait ici. Ah bah là vous avez fait le plein là. Voilà, on est au max. Je préfère garder ça pour la fin. Voilà. Ah, vu qu'on a la carte maintenant, on a tout ce qu'il y avait à fouiller. Donc quand on est bueno. Ouais, je voulais sortir le smart gun, mais c'était assez difficile. Ouais, je voudrais quand même trouver le dernier survivant. Là, on va, enfin, survivant entre guillemets. Bah, le voilà. Voilà, faut les exterminer. Et là, on remonte. Ah non, ça descend tout seul, d'accord. Ça j'adore. Allez, remonte. Voilà. Donc. Ah oui, surtout les secrets qui sont pas. Voilà, donc on revient sur nos pas là, je crois. C'est ça. Et encore là, ce n'est que le début. Là, il faut balancer des charges dès que vous rentrez dans le passage. C'est-à-dire ici. Ah. Non, je me suis trompé de côté, mais c'est bien. Faut appliquer ce que je viens de dire. Ils viennent pas. Il y a de quoi faire.
Donc ça c'est, on va dire, un mur d'acide, vous perdez 10 quand vous passez dessus. Alors je sais pas, qu'est-ce qu'il y a au fond? Attends, le mission de Smart Gun, on va le récupérer à la fin. La preuve. Ça nous fait 15 de dégâts. De toute façon, en mode difficile, ça fait 20. De toute façon, je vous en parlerai une fois que j'aurai fini le jeu de ce que je pense. Et la version difficile. Très important, la version difficile. Ah, bah, j'ai perdu qu'une fois. Et là-dessus. Allez, c'est parti. Voilà. Shotgun, on était à fond. Lunette thermique. Il n'y avait rien d'autre. Non, on a tout fouillé. On va chercher une mission du Smart Gun. Voilà, là on est à fond. Là, c'est votre arme principale maintenant dans ces derniers niveaux. Faites pas confiance. Là, il y a un passage à droite. Non, ça donne l'illusion qu'il y a un passage à droite. Et non. Donc là, ça vous mène en haut. Déjà ça. Voilà. Alors ça. Non, ça va encore. Là, il y a des petites. Vous avez perforé le mur. Enfin, le sol, pourquoi j'ai dit le mur. Vous avez perforé le sol, c'est juste pour des petits. Voilà. Ça remonte tout seul. Moi, vous le savez. Je crois qu'il y a 2-3 aliens. Ah, ils sont tous au même endroit. Pas ça, moi. Ah, il était en dessous! Saleté! Il était dans le trou perforé, quoi. Lance-grenade. Je crache pas dessus. On est déjà à fond pour le puce-rifle. Et dernier trou, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah bah, Smart Gun. Si je l'aurais su, j'aurais économisé. Et là, charge sismique. Voilà, on a tout. Ici, c'est fouillé. Je crois qu'il doit y avoir encore des synthétiques à l'intérieur. Saleté! Oh, quand ils vont de droite à gauche, c'est assez dur de les viser. Donc là, préparer les charges sismiques. Je le fais en dernier parce que c'est assez difficile. Hein, c'est quoi ça? Ah oui. Wow! Bon, lui il est bloqué. Au moins vous voyez en animation. Bon, donc lance-flamme, je l'ai à fond. Donc je vais pas me mettre dans l'acide pour ça. Il y en a un là. Voilà, il y en a un au fond. Deux même. Trois même. Là, tu commences à devenir chiant. Alors là, il y a des bottes pour la prochaine. Donc là. Là. Les bottes. Oui, autant les prendre. Quelques petits trucs, genre carte d'identité, oui, on ne sait jamais, ça peut servir. Bon, autant le prendre. Et donc ici, qu'y a-t-il? Ah oui, il y a des aliens en haut. Voilà, je crois pas que c'était le seul. Génial. Ah oui, c'est la petite. Ah, les balles qui arrivent que maintenant, quoi, j'adore. Et l'alien qui attaque pas la synthétique. Non mais loul! Allez, touche! Voilà, ça l'a eu, là. Oh, ça fait un rebond! Au moins, je m'en suis débarrassé.
Donc voilà. Ah là, c'est la sortie? Oui. Mais on n'a pas tout fouillé. Il reste encore une. Ah oui, donc j'espère que je vais pas. Oui, ça remonte ce truc. Je suis condamné à perdre de la vie là sur ce coup-ci. Ah. Ouf. Non, et heureusement d'ailleurs. Ouais. Je voudrais que tu remontes. Bah, s'il remonte pas, je peux pas fouiller la dernière zone. Hein, qui est pour moi la zone la plus difficile. Puisqu'il y a, je crois, il y a Kazayan qui tombe d'un coup. Hein. Bon, tant pis. Je crois que ça va se terminer comme ça. On peut pas. Eh non. Bon, mais il y aura des aliens. Bon, il y en a beaucoup en bas. Hein. Là, en tout, j'entends. Je crois la dernière zone qu'on n'a pas faite. Donc, une grande salle, mais il y en a une trentaine en tout. Hein. Tant pis. Là, je viens de m'apercevoir. Voilà, 13% pour moi. Avec tous les aliens qu'on a eu, on peut comprendre. Voilà, et les secrets qu'on n'a pas vus, bah, c'était ça. Il n'était pas sur la carte. Donc voilà, on va donc continuer, hein, parce que là, les deux vidéos précédentes a été, elles étaient courtes hein, au niveau durée, donc on va faire donc le niveau du sas encore, donc la partie centrale du vaisseau, comme d'habitude. Ah non, c'est une zone bonus. On sort le lance-flamme pour les caisses, il y en a. Et aussi des zones secrètes, ah oui. Alors, zone secrète, c'est la prochaine à droite. Et ici. Smart gun. Voilà. Et ça continue. Continue là. Voilà, smart gun. Là, on est content. Ah, là, je suis content. Oui, là, je suis content. Continue par là. Non. Donc là, au lieu d'avoir une voix, ben, ça va nous mettre une alarme. Voilà. Là, j'ai pas envie d'y aller, ça fait perdre de la vie. Non, non. Il y a quoi là? Des charges, lance-grenade. Et voilà. Tant qu'on a l'armure à 200, moi ça me va. Allez, on va encore faire une mission. Ah, j'ai pas lu le briefing. Bon, c'est une zone bonus, donc ça dit ça va s'autodétruire. Mais bon, quel rôle ils ont joué pour dire qu'on a maintenu pendant 45 secondes cette zone. Bon, on verra bien. Allez. Bah oui, là, la zone bonus et là, niveau du sas. Donc là, ça va être donc les. Ah oui. Donc pas la M40. Plus rifle, là, on a droit aux aliens rouges adultes. J'ai envie c'est de perdre un minimum sur l'armure ici quoi. Parce que je vous raconte pas ce qu'il y aura à la fin. Oh, surtout quand il y a tous les xénomorphes adultes. Donc voilà. Voilà. Deux qui ont pop comme par magie derrière. Ouais, ça c'était de l'esquive. Hein? Bon, c'est quelqu'un qui va apparaître par magie, ce qui arrive tout le temps. Tadam! Alors, au moins, ils sont tuables assez facilement. Il me faut la dernière zone, on n'y est pas encore. Voilà. C'est quoi ça? Ah, bah, j'en ai besoin. Voilà. Ça va apparaître dans mon dos. Ah, je crois pas que ce soit celui-là. Voilà, au moins l'affaire est réglée. Tiens, on va peut-être dépasser les 400, peut-être. J'ai toujours pas fait toucher une seule fois. Ce qui est une bonne nouvelle en soi.
Voilà, on va en finir tout de suite, voilà. Et enfin, on va faire un niveau, voilà. Peut-être un épisode d'1 heure, allez, pour rattraper les deux dernières. Après, ce n'est qu'une question de deux niveaux, si... Encore deux niveaux et après on affronte l'arène. Voilà, une fois qu'on aura... on sera accédé à la salle centrale, je crois qu'après c'est l'arène qu'on affrontera. À chaque fois je fais l'erreur. Oh non, pas ça! Oh là 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 là. La smart gun, c'est obligatoire. Je vous l'ai dit, hein. Donc là, ça paraît normal, mais au bout du chemin... Voilà, ça va être assez complexe. Demande qu'est-ce que ça a ouvert pendant que, au moins que ce soit, le son a été retardé, ce que je ne pense pas. Et là, ils sont à gauche. Non, c'est un piège à la fin. Donc là, l'armure. Heureusement que je l'ai. Allez, c'est parti. Non! Donc, certains xénomorphes font des nouvelles animations où ils attrapent, vous attaquent par sa deuxième mâchoire au lieu de vous faire des griffures comme ils font d'habitude. Enfin, dommage. Bon, le grenade, j'étais à 18, donc c'est pas vraiment une grande perte de ne pas avoir réussi à les avoir. Donc là, oui. C'est sur plusieurs niveaux, mais on a du mal à se repérer après sur la carte. Ah oui, encore un truc où... Admirez tout ce qui vous attend en bas. Bon, déjà, il n'y en a qu'un. C'est pas normal. Ça a explosé. Ça a explosé sur lui, ça a rien fait. Un peu plus près. Non, allez! C'est un gag! Ah, je le tire dessus, après il se barre, ah ouais. Ah, ils m'ont touché! N'aime pas perdre ça brusquement si je me fais attaquer consécutivement. Allez, on tente. Non, ça ne fait rien. Et de plus près, là, ça ira. Non. Ah, voilà, bon. J'ai décidé de passer par la force. Voilà. C'est pas une grande perte. Mais si je suis allé aux pompes, alors là. Oh, j'aime bien quand il y a des murs invisibles. Oh oui, j'aime bien. Oh, la pompe, je suis à fond. Alors là. Encore une fois. Qu'il y avait des xénomorphes qui attendaient. Non, tout va bien pour le moment. Allez, là. 374. Viens là, toi. Ah non, c'est. Oh, c'est un synthétique. Ils vont pas attaquer, c'est un peu bizarre, mais bon. Alors. Je crois que. Oui, ça se termine là. Allez, prends-le. Voilà, c'est compliqué. Avec un chargeur. Ah, le chargeur est dans le... sur le cadavre, je le voyais plus. Lance-flamme, bon, inutile. Des charges, on en a besoin. Là aussi. Alors, je crois que ça va encore descendre, donc je crois qu'il faut courir. Au moins, je... ça prend pas cher. Bon, je voudrais comprendre une chose. Oui. Ah, d'accord. C'est tout? Y a pas un autre endroit?
Non, ok. Donc je crois que c'est un ascenseur qui nous monte très très haut. C'est bien ça. Bon, il n'y a pas de xénomorphes qui nous attendent en haut, si je dis pas de bêtises. Voilà, j'ai pas dit de bêtises, je me rassure. Quand il y aura un troll. Ouais. Attends, c'est quoi ces bêtises? Je suis pourtant à fond en munitions, pourquoi il me disait que... Bref. On va dire c'est pas grave. D'accord, je crois qu'il y a eu un bug en fait. Ah, je crois que ça c'est un troll en fait, mais ils te mettent juste des grenades pour le puce rifle et le pistolet 9 mm. Donc là, c'est bon. Voilà, faites le plein, voilà, on est content. Et bien sûr, voilà, 200%, merci. Il y a même des xénomorphes qui vont monter par ici. Il va monter, il va monter. Eux, ils arrivent à monter tranquillement pendant que nous, ça nous fait glisser, quoi. Voilà, il allait nous faire, il allait nous attaquer avec sa deuxième mâchoire. Qui fait pas plus de dégâts, non, non, non. Ça fait les mêmes dégâts, mais c'est juste pour un peu diversifier tout ça, je crois. D'ailleurs, le corps ne glisse pas pour eux, je comprends pas. Même en reculant, nous, ça nous fait glisser. Bon. Et ouais, voilà à quoi on s'attend au dernier niveau. Hein. Vraiment, c'est pas du gâteau. Hein. Hein. Ça bouge. C'est en haut. Tant pis. Bon, ça bouge plus. Voilà. Oui, c'est agaçant en force. Oh là là. Ok, je l'ai pas vu lui. On s'occupe de lui. Voilà. Voilà, merci. Et le reste, ben, on se le fait. Bon, lance-flamme, puisque. Ça one shot. Ah, il y en a encore un. J'avais pas fait gaffe. Voilà. Ah, peut-être 400%. Là, il n'y avait rien. Oh, le synthétique, il est encore là d'ailleurs. Alors. Allez. Venez, je vous attends. Ils sont derrière le mur d'acide. Oh non, pas ici. Alors là, ça va devenir un véritable merdier. Vous allez comprendre pourquoi. Ah, si vous avez entendu, bah oui. Je demande si vous avez entendu plein de dynamorphes. Ah. Là, si on avait une bombe qui donc détruisait, mais qu'est-ce que je dis là? Il est 1h du mat. Là, je comprends pourquoi je tourne à cette heure-ci. Je pourrais le faire un après-midi, non? Donc, détruire un truc qui se trouve à 1 km à la ronde, là, ça nous arrangerait parce que vous allez comprendre pourquoi. On va tout ouvrir. Attends, est-ce que si j'ouvre directement la rouge, c'est... Je pense que si. Alors si... Je vais tenter quelque chose et si j'y arrive, je vais vous expliquer pourquoi. Ah, ça a changé de couleur. Ah, je crois comprendre en fait. Voilà, des charges. Ok, donc là, on va faire bleu.
Voilà. C'est bien ce que. Je crois que ma théorie s'avère être exacte. C'est quand moi j'ai fait la connerie, j'avais activé tous les interrupteurs et le rouge je l'ai fait en dernier. Du coup, ça a ouvert tous les portes et là j'étais incendié. Il y avait une quarantaine de xénomorphes adultes. Hein. Et encore, non, encore à l'intérieur. Là par exemple là. Voilà, la munition commence à être. Bon, on est encore là, on peut encore continuer. Donc là, c'est fait. Donc, quelle couleur serait. C'est moins une autre couleur. Quelque chose me dit que c'est celui-là, vu qu'il a l'air plus jaune. Bon, qu'est-ce qui s'est ouvert? Ça. Non, 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 c'est pas ça. Ah, c'est ça, je l'ai pas vu. Donc là, sortez d'ici. Shotgun, shotgun. Fusée thermique. Ouais. On peut pas tout avoir dans un seul accès. Hein. C'est un peu dommage. Ensuite, bleu. Vraiment, c'est une arme redoutable, le Spartgun. Voilà. À violet. Ouais, parce qu'une fois que j'ai activé la rouge, l'interrupteur rouge, après avoir activé tous les autres, ça avait changé de couleur tout d'un coup. Là, ça m'a fait bizarre. Je crois que même à l'époque où je l'ai fait une seule fois, ça, je me suis fait avoir. Voilà, il y en a encore. Waouh, je t'avais pas vu toi. Bon, je crois qu'on va plus utiliser la M40 cette fois-ci parce que là, des munitions, il y a plus de ça que de Smart Gun. Hein. Bon, Smart Gun, c'est l'arme la plus cheatée du jeu, donc on peut penser qu'il n'y a pas trop de munitions partout. Là, quelle est la suivante? J'ai pas envie de. Ah, jaune. Ouais, je crois que je vais garder le Smart Gun jusqu'à que j'ai plus de munitions. Ça vaut le coup. De toute façon, contre la reine, il y aura des quelques munitions. Si je trouve que ce sera pas utile. J'aime pas quand ils font ça. Bon, ça c'est quoi? Shotgun à volonté, mais surtout que j'ai. Je suis en max. Et en plus, je me cours dans les boutons, c'est ça qui est marrant. Le bleu foncé. Ouais. Ah, c'est un synthétique, c'est la sortie. Pas de smart gun de munitions, non. Bien entendu. Oh, y a un truc que j'ai pas ouvert? Je ne pense que non, je crois qu'on a tout fait. Mais bon, on a tout fait, on peut. Je crois que. C'était lequel? Attends. Je cherche les cadavres de synthétique. Voilà, donc la sortie a été là. Voilà. Allez. Je crois que ce sera suffisant pour cette vidéo. Voilà, 91. Ce qu'on n'a pas trouvé. Ah oui, je crois que les secrets, c'était soit les fails, enfin les trolls qu'il y avait. Où ça nous a amené dans un trou. Bon, la mission est à 70%, donc confirmée. Donc
On peut continuer. Mais moi, je vais vous laisser là. Il faut que je vérifie quelque chose. Donc, le briefing de mission, si c'est la dernière, où il n'y a que des xénomorphes adultes, donc les noirs. Vous allez entrer à nouveau dans la salle principale du vaisseau, une nouvelle section est accessible et vous devez la nettoyer en profondeur. Non, il nous reste encore une mission. Donc, on sera dans. Près du nid, nid de la reine alien du vaisseau. Donc voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Là, je vous montre à quel point c'est maintenant très difficile. Voilà, donc si vous avez utilisé ce margueux au moment où vous l'avez, eh bien c'est mort pour maintenant parce qu'avec un quelques puce rifle, c'est assez difficile puisque les balles ne sont pas guidées. Donc voilà, donc j'espère quand même que cet épisode vous aura plu. Donc ça pourrait peut-être être la dernière, la prochaine. Donc sur ce, moi je vous dis salut viewers!